Et du coup, moi, j'ai emmené la Claude dans un autre lieu, Maison et Tartine. On vous laisse regarder les images encore une fois. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ? Ce serait une tartine, effectivement. À 7,90€, bon, à voir le produit. C'est les poivres. Alors, beaucoup de boîtes, très drôle. D'ailleurs, le Davy Crockett, le chat trappeur de rongeurs. Je vais te faire sentir des saveurs de bougie, tu vas voir, Pierrine, ce que c'est. Si t'as perdu, c'est toi qui payes la vie. Alors, sans. Ah bah c'est écrit vanille. Non, t'as à peu près la plus compliquée du tout quoi. Et c'était Madeleine. Loupé Claude. Tu as encore payé l'addition toi. On est assis nous. Je pense qu'on peut aussi acheter les chaises et les tables. Bon tiens Claude, ça te donne pas des idées de cuisine? Une petite tartine végétarienne. Végétarienne? Ouais, végétarienne. De confession. Pour ma part, on reste dans le fat. Toi aussi c'est fat. Très bon. Ça y est, la pirate. Donc voilà, c'était... Merci. Donc c'était Tartine et Maison. Super lieu finalement. Bon, j'avoue que c'était la première fois pour nous deux. Mais petit lieu, donc on va grignoter quelque chose. Comment ? Première fois pour beaucoup de choses, elle a dit. C'est sûr. Donc on rentre dans ce lieu, on va manger un petit truc. Et à côté de ça, si on mange sur une table avec une lampe, un set de table, des décos, voilà, on peut acheter tout ce qui nous entoure en fait dans le magasin. Et venir juste manger si on veut. Effectivement, rien acheter. Sans rien acheter, ou l'inverse, venir juste acheter et ne pas manger. Nous, on a pris des tartines super bonnes que vous avez vues là, donc un peu de reblochon. Mais pas que, on a essayé de faire une partie légumes, une partie un peu plus fromage. Claude qui est végétarienne. C'est ça, oui, c'est vrai, la Claude est végétarienne. Voilà, on est reparti sans décoration. Et elle est où la tartine pour Romain? Moi j'ai ramené la petite couronne, toi t'as pas la tartine? Bah la tartine elle était là, c'était la Claude. Non mais on l'avait. Non mais on a ramené la Claude, c'est aussi pas mal. C'est un beau cadeau. Bon, et bien sûr, on a interviewé cette gérante, très sympa. Regardons les images. Alors, le lieu, c'est Maison et Tartine. Le concept, c'est une boutique de décoration dans laquelle on a intégré un petit salon de thé qui fait aussi restaurant. D'accord. C'est ça, oui. On peut repartir avec tout ce qui est dans la boutique, que ce soit la table sur laquelle on mange, l'horloge accrochée, le lampadaire. On peut repartir avec toute la déco, la vaisselle de la boutique. D'accord. Là, moi, je peux repartir avec ça aussi. C'est ça, voilà. Vous pouvez repartir avec ça, okay. Avec la table, les sets de table. On a tout ce qui est à table est en boutique, en fait. Ok. Alors, c'est ouvert depuis quand? On a ouvert le 14 octobre. Donc ça fait 7 mois demain. C'est ça qu'on est ouvert. Ok. Et le concept, c'est pas du tout moi qui ai créé le concept, c'est une franchise, en fait. Ouais. Le concept est né à Colombey-les-Deux-Églises. Ok. Une dame qui faisait beaucoup de restauration, qui vendait pas mal de décorations et qui s'est allié avec le créateur de comptoirs de famille pour recréer Maison et Tartine. On a des gens qui rentrent uniquement pour déjeuner, on a des clients habitués du midi et on a aussi des gens qui rentrent uniquement pour le côté décoration, acheter un petit cadeau, se faire plaisir. Et on a aussi les gens qui déjeunent et qui profitent des 10% pour repartir avec quelque chose. Oui, c'est ça, d'accord. Ouais. Donc... Effectivement, on reprend bien, on a récupéré la connexion donc, avec voilà, Claude. Claude est revenue. Bon, elle a l'air de vouloir partir par contre. Est-ce que tu dirais pas au revoir tout de suite, Claude, et puis je conclue? Ça a été très court, cette conclusion. Oula, ça bug beaucoup. Bon, bah merci en tout cas, Claude. Merci. C'est terrible. C'est dur de te faire ça, Claude, mais je vais devoir le faire. Je vais raccrocher alors qu'on est encore en ligne. Désolé, Claude. A plus, hein. Merci d'être venu, merci en beaucoup. Tout cas. C'était super de t'avoir par Skype. Salut la Jose. Bisous. Alors, du coup, effectivement... Donc, maison gérante, et tartine, hein. Tartine et maison, pardon. Oui, tartine et maison. Avec cette gérante très sympathique. Très beau concept avec l'adresse qui s'affiche juste en bas de l'écran. L'adresse du site internet. Voilà. Et voilà, super ambiance, super lieu. On le conseille encore une fois. Moi, j'ai encore envie de vous dire merci encore une fois. Et de rien. Voilà. De vos reportages, de vos conseils pour occuper ces bons week-ends. Effectivement, des conseils aussi, on essaye. Et une prochaine pour une tartine. Ou une maison.
Non, sûrement une tartine. On verra.